C'est Siro Savimming et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième let's play sur Farming Simulator 2015. Donc là on se retrouve exactement où on s'était laissé donc avec notre cultivateur. Donc j'ai dit que je continuerai tout ça mais en fait je l'ai pas fait. J'ai un petit peu réfléchi donc j'ai dit que ces tracteurs si on voulait acheter d'autres cultivateurs, dont même celui-là qui est à 4,5 mètres, pour la puissance requise il faut du 151 kW pour 205 chevaux. On m'a dit que mes tracteurs n'étaient pas si puissants, donc voilà, on va tout de suite voir ça. Le plus puissant qu'on a, c'est celui-là. Bon, voilà, il a 143 chevaux, donc il faudrait avoir minimum... Ah ouais, d'accord, faut clairement aller loin. C'était 205 chevaux. Oula. Ah ouais, d'accord. Mais attends, mais il faut aller dans... Le minimum, c'est le Lamborghini, là. Donc, vous voyez, il faut déjà 200 000 pour le tirer, alors... Voilà, on n'est pas tout de suite sorti d'affaires, on va dire, donc on est à peu près obligé, on va dire, de continuer pour l'instant avec ces tracteurs. Donc là, on a deux de Tzfart, celui-là c'est vraiment le moins puissant. La petite moisse batte, et là, bah voilà, c'est à peu près tout. Donc comme champ, on a le 38 là qu'on est en train de cultiver, le 24 et 29, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques lignes ensemble sans le 38. Ensuite, je vais mettre un ouvrier pour finir le champ parce qu'on va pas tout faire. Ça va prendre 4 épisodes juste pour cultiver un champ, ce qui n'est pas vraiment le but. Le but, bah, c'est plus un peu de s'amuser. Bon, certes, au début, on va devoir bien bosser pour avoir des tracteurs et tout ce qu'il nous faut. Mais on est obligé, écoutez. Alors là, déjà, je suis très mal par... Ah, non, ça va. Voilà. Donc, voilà, donc... Mon tracteur dévie toujours, c'est trop super. Ah, c'est juste qu'il est tellement lent. Je sais pas pourquoi en fait il dévie, je sais pas si c'est à cause de sa puissance ou de je sais pas quoi, mais en tout cas il dévie bien. Voilà, donc ensuite on va faire peut-être 5 lignes comme ça, ensuite on va aller cultiver nos champs. Le 29 je crois qu'il est cultivable, donc là on va aller... on va aller le semer, on va pas aller le cultiver, n'importe quoi. Je sais pas si je vais passer la charrue. Des gens m'ont dit que c'était mieux de passer la charrue, moi je sais pas. Vous pouvez me dire dans les commentaires, je sais pas si c'est mieux de passer la charrue ou pas. Perso je l'ai jamais passé et ça va très bien. Mais je sais pas, peut-être qu'il y a un meilleur rendement, parce que de toute façon on ne va pas avoir de pesticides pour l'instant, ça c'est sûr. Et peut-être qu'il y a un meilleur rendement même en passant la charrue, je sais pas. Donc c'est fou, on peut passer la charrue, écoutez, c'est pas... De toute façon on n'a pas beaucoup d'activité pour l'instant dans notre ferme, donc voilà. Donc ouais, mon tracteur dévie toujours, écoutez. Mais c'est incroyable, il peut pas rester droit 5 secondes. Et sinon l'animation franchement elle est bien faite. Je sais pas si j'ai déjà dit dans le premier épisode, mais franchement, moi je dormais bravo. Voilà. Allez. Ah, excusez-moi. Donc oui, donc là je pense que cette vidéo va être en ligne dimanche, c'est sûr, parce que il n'y a pas une vidéo depuis une semaine, donc c'est un peu pas honteux mais presque. Donc en fait à la base aujourd'hui hier pour vous, enfin pour moi c'est aujourd'hui mais pour vous c'est hier. Hier il devait avoir une vidéo, sauf qu'il y a eu des fichiers qui j'ai supprimé sans faire exprès. Ce qui fait que j'ai pas pu. Il y avait un petit bout de ma vidéo, mais voilà, il manquait quand même pratiquement 10 minutes. Et je pouvais pas vous la mettre, c'était un let's play sur un petit vidéo, mais je pouvais pas vous mettre la vidéo, il manquait pratiquement 10 minutes. Voilà, par contre, on va mettre un ouvrier, parce que c'est pas... Oh non, il y a mon chat. Mais oui, t'es un chat. Donc là, on va prendre un ouvrier, on va passer la charrue, vous me direz dans les commentaires si c'est vraiment utile ou pas de la passer. Mais oui, t'es un chat. Donc voilà, donc là, on va mettre un petit ouvrier, on va juste bien le positionner pour pas qu'il fasse de la merde.
Mais oui, voilà. Nous, on va aller prendre un terrain. On va prendre quand même. Attends, c'est moi, il est en train de semer. Non, c'est bon. J'ai peur. Mais purée! Voilà, celui-là. On va décrocher ça et on va les prendre. Merde, il était déjà décroché. C'est pas grave. Allez, hop, le petit point d'interrogation qui sert à rien. Et on va aller prendre notre charrue. Je sais pas s'il fait vraiment utile de passer la charrue en fait, mais. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous préférez que je passe la charrue ou si ça sert à rien pour vous. Moi, jusqu'à présent, j'ai jamais passé. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. Allez hop, on va. Là, il y a un petit poids. Là, faut qu'on le cultive celui-là. Ouais, peut-être un pont pour avoir réussi à vendre notre blé. Je sais vraiment pas si c'est utile de pas de faire ce que je suis en train de faire. Tour, attends, c'est. Ouais, alors je sais pas trop comment la mettre. Non, pas tellement. C'est pas grave. Que fais-tu, charrue? Mets-toi correctement. Non, encore. Ouais, en fait, je pense que c'est plus vraiment pour créer un champ. Parce que il y a des gens qui m'ont dit que c'était pour le rôle du cultivateur, mais je pense pas vraiment. Donc s'ils font, bah, on va créer un champ, écoutez. On va un petit peu l'agrandir là, bah écoutez, et voilà. Allez. Pas dans ce sens par contre, voilà. Ouais, quoi que, je sais pas. What? Ouais. Alors. Non. Lève-toi. Je sais pas du tout comment on fait en fait. Voilà, c'est pas grave. Bon, on va. Si on fait à partir de là. Si on fait comme ça donne quoi? Après, je pense que si on passe le cultivateur, ça devrait aller. Ouais, c'est vraiment pour créer des champs en fait. Donc, mais c'est incroyable comme il. Des fois, c'est vraiment le tracteur qui est surmerdique et qui dévie quoi. Parce que dans mon mode carrière où je suis un peu triché, mais après on va rien dire. J'ai des tracteurs beaucoup, enfin, beaucoup mieux que ça, c'est un peu évident. Et j'ai aucun problème au niveau. Bon, on va pas vraiment faire ça en fait, parce que c'est pas comme si c'était un peu chiant, mais c'est tout comme. Surtout qu'une micro charrue comme ça, qui dévie, avec un tracteur qui dévie. Allez, on va juste faire ça et puis ensuite voilà. On va juste faire une micro ligne. On va passer le culti, même s'il est déjà pris par l'ouvrier. Donc ouais, donc c'est vrai, je connaissais pas trop utile la. Trop l'utilité de la charrue jusqu'à maintenant. Bon, maintenant je la connais. Voilà. Donc je savais que c'était pour créer des champs. Il y a des gens qui m'avaient dit que c'était aussi pour. Bah, ça a joué aussi le rôle du cultivateur en fait, si vous voulez. Et je pensais absolument pas en fait. Moi bon, j'ai essayé de faire un truc à peu près droit parce que c'est pas comme si c'était moche, mais c'est tout comme. Attendez. Ouais, faudrait déjà peut-être que j'arrive à conduire. Voilà. Hop, on va essayer vraiment de faire un truc pas mal droit. Allez. Comme ça on aura un champ un petit peu agrandi, on va dire. Ouais, c'est pas possible de faire droit avec ce tracteur en fait. Hein. Je viens de le remarquer maintenant, mais c'est pas trop possible. J'essaye, hein, j'essaie de rester droit, mais il dévie comme si c'était une sorte de je sais pas quoi. Je ne savais pas rester droit, petit tracteur. Ouais, en plus, j'ai bien foiré mon truc. Bon, on va dire que c'est à peu près droit, écoutez. Hein. On va passer le culti après sur ça, et puis voilà. Écoutez, écoutez. Allez. Mais. Ah, mais pas sur ça. Allez, hop, c'est bon là. Ouais, c'est bon, voilà. Allez, go. On va juste faire ça, et puis voilà, on va dire que c'est à peu près droit, écoutez. On fait vraiment pour créer des champs. Je sais pas si ce soit vraiment très utile pour cultiver. Après peut-être je me trompe, j'en sais rien, mais pour moi voilà. Bon, allez, du coup on va prendre notre culti, on va les cultiver. Ah mais du coup en fait il manque un peu un culti quoi déjà. Il coûte combien? 9 400. Ouais, je vais même pas assez, vous voyez. Bon écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va les cultiver, on va les cultiver, on va aller vendre notre blé avec le petit tracteur. Où est-ce qu'on peut le vendre? À un prix assez raisonnable. Blé, 607. Non, c'est pas ça que je voulais faire.
600, 607, 683, moulin à vent, pour l'instant c'est le mieux. Moulin à vent, ouais. Bon, on va aller au moulin à vent alors. Apparemment c'est le mieux. Donc le moulin à vent. Bon, on va aller vendre même si ça vaut pas très cher, je suis d'accord, mais bon. Moulin à vent. Il n'y a pas de. Je peux vraiment pas attendre fortement, ce qui me manque déjà là. Enfin voilà, faut bien pas que je gagne mon argent. Donc moulin à vent, c'est tout là-bas. Puis de toute façon, faut qu'on attende que l'ouvrier ait fini de cultiver pour que nous on puisse aller cultiver ce qu'on a créé comme champ là-bas pour ensuite aller semer. On va semer un truc un peu plus rentable, on va semer un truc qui rapporte pas mal, on va dire. Du colza, je pense qu'on va semer. On n'aura pas encore de pulvérisateur, mais c'est pas grave. Au moins, on aura un peu plus d'argent, même s'il n'y aura pas beaucoup de rendement, c'est pas grave. Pourquoi je vais de ce côté? Je sais pas. C'est de l'autre côté que je dois aller. Pas grave, on a fait un petit tour pour rien. Donc peut-être que je vais aussi faire une autre carrière un peu plus détente, on va dire. Blé, voilà. Allez, donc un peu plus détente, on va dire. Oula, mais c'est trois morts qui est carrément minus. D'accord, faudra en plus que je le fasse en deux fois. Super. Déjà que c'est pas tout prêt. Donc on va attendre. Allez, je sais pas. Attendez. Non, c'est pas. Attends, ouais, on va descendre. Ouais, on va descendre, on va faire comme ça. Et c'est vraiment qu'elle peut. Ouais, ok, 8500 litres, je crois. Je crois que c'est des litres, hein. C'est exprimé en ligne, je crois. C'est trop super, on va prendre beaucoup de temps. Bon, ouais, c'est sûr que les débuts d'une carrière suivie comme ça, c'est pas forcément super passionnant. C'est sûr qu'on n'a pas des grosses machines, on a même un peu de la merde, on peut se le dire. Et faut vraiment attendre pour avoir de belles machines, quoi. Donc là, est-ce qu'il y a du monde? Il y avait une voiture là-bas. On va la dépasser d'ailleurs. Allez. Parce qu'à part ça, même une remorque, je pense que. Ah ouais, même celle-ci, ouais, elle coûte, ouais, 24 000, vous voyez. On est vraiment loin de pouvoir s'acheter les. Un moindre truc, on est vraiment loin. Hein. Même le cultivateur, un deuxième cultivateur. Qui est aussi pourri que celui-là qu'on a, on n'a même pas assez d'argent, vous voyez. On n'est pas vraiment près de voilà. On va peut-être aussi faire de l'élevage d'animaux, ce serait peut-être cool aussi, là par contre on a de l'argent pour acheter des animaux. Mais peut-être pas tout de suite, parce que pour les vaches, au ensilage, ce qui fait qu'il faut faire du blé, ce qui fait qu'il faut avoir une machine pour le blé, ce que j'ai pas totalement. J'aimerais aussi bien faire des betteraves et des patates, ce serait cool, parce que, bah voilà, ce serait cool tout simplement. Donc là, je vais au bout de la route, ensuite je vais à droite, ok. Bon, ça va nous rapporter, je pense. Bon, ouais, peut-être 5 000 et encore. Je pense qu'on arrivera peut-être à 10 000, je pense. Peut-être, je sais pas. Bon, mon coco, là, avec ta petite Golf, c'est pas comme si voilà, mais c'est tout comme. Hein, t'as deux pots d'échappement à l'arrière, mais tu vas pas très vite. Allez, va à gauche, voilà, ça sera bien. Nous on va à droite. Ouais bah voilà. C'est encore assez loin mais bon. On va quand même à 43 km/h, donc 42, donc ça va. Ah! Ne part pas en couille. Donc ouais, donc pour le SP de MC, je suis vraiment désolé, mais c'est pas de ma faute quoi. Enfin oui, c'est de ma faute si j'ai supprimé les fichiers, mais je vais essayer d'en retourner un aujourd'hui et de vous en mettre un mercredi. Donc aussi, excusez-moi d'avance pour le rhume, hein, c'est pas de. Voilà, je suis chez le rhume. Là, il galère un petit peu dans la montée. Ouais, on va dire qu'on y est presque. Ah, les tracteurs. En plus, t'es tout seul, mais c'est pas grave. J'aimerais aussi bien faire du bois plus tard, même si je me suis pas encore vraiment entraîné à faire du bois, mais. On va aller à gauche. Mais j'aimerais bien faire du bois plus tard. Parce que ça rapporte quand même pas mal, même des copeaux de bois. On y est presque. Bon, ben, enfin, ouais, je pense que quand même, si vous pouvez me dire dans les commentaires, donc la carrière multi, j'ai déjà commencé, mais est-ce que vous voulez peut-être que je fasse une carrière solo, avec un peu, bah, on tune un peu, quoi, parce que je suis bien au moulin avant, au moins. C'est bon. On cheat un peu de l'argent pour, peut-être pour avoir des meilleures machines et un peu vous montrer vraiment le jeu en lui-même. Donc je sais pas si c'est à vous de me dire vraiment.
Allez hop, on décharge. C'est bon, ça vide pas à côté. Allez, on est à 8 000, attention. 10 000. 11 000, pas mal. Allez, c'est reparti. On va aller prendre le reste. Bah, ce qui nous reste, quoi. Est-ce qu'on peut passer par un petit chemin intermédiaire? Oui, bien sûr qu'on peut. Voilà, je vous avais dit. Oh, bah voilà, c'est beaucoup plus court. En fait, j'ai fait tout un détour pour rien. Super! Là, bon, voilà, là, vous prenez tous pour un pigeon 3000 dans les commentaires. Allez, on rentre chez nous par un chemin beaucoup plus court. À côté d'un immense champ qui peut-être un jour nous appartiendra. Donc, on va dans cette maison, on va aller vider tout ça. On va. Et je sais pas après ce qu'on va encore faire. Je sais même. Peut-être que je vais finir après. Écoutez, je sais. Non, ça fera quand même un peu court. Allez. On y va. Hop, la voiture, c'est bon, on va passer entre temps. Toi, t'attendras. Et puis voilà. Tout va bien. Non, et en fait, je vais faire méga détour pour absolument rien, quoi. Mais c'est pas grave. On apprend tous. Il est vraiment minuit cette remorque. Hein. Je suis impatient d'avoir quand même une plus grande remorque parce que là, voilà. Puis je suis même pas sûr qu'elle peut prendre des pommes de terre et tout. Ah oui, quand même. Quand même, c'est déjà bien. Oui, super tracteur. C'est pas ça que je voulais faire. Ah, le gars il descend de son tracteur pendant qu'il roule. Non, mais c'est n'importe quoi. Allez, on va prendre le rêve. J'espère au moins qu'on aura assez. Hein. J'espère qu'on pourra tout mettre en une fois, au moins. Donc ça va, là, on a de la descente en retour. Hop. Si on a plus de 8 500 encore, bah on sera obligé encore de faire un aller. Allez. Pourquoi il ne pas prendre du blé? Ah, voilà. Ça va, on peut tout mettre dedans, heureusement d'ailleurs. Allez, c'est parti. On est à 65% quand même. Hein. Allez, on y va. Hop. On va prendre le raccourci cette fois. Notre ouvrier, ah non, il est toujours en train de travailler. Je vois toujours l'argent qui baisse, qui veut dire qu'il est en train de travailler. C'est un peu logique. Ça, les mouvements du conducteur quand il tourne le volant, ils sont vraiment pas mal faits. On voit pas l'intérieur, mais voilà. À l'extérieur, c'est vraiment bien fait. Si on regarde un petit peu, vous voyez, c'est vraiment bien fait. Allez, on y va à fond. Bon, je pense qu'on va arriver à 14-15 000 peut-être. On a gagné 6 000 pour 8 500 litres. Là, on est à 5 570 litres. On devrait être, ouais, 3 000 peut-être. Peut-être qu'on va juste arriver à 15 000, je sais pas. Ouais, peut-être un peu avant 15 000, je sais pas, franchement. Non, je pense quand même qu'on devrait arriver à 15 000. Enfin, j'espère en tout cas. Ça nous fera déjà un petit peu plus d'argent. Bon, en fait, ça monte. Quoi, si on réfléchit un petit peu, ça monte franchement assez vite l'argent. Mais voilà, faut cultiver, ah, voilà, quoi. Ça prend du temps, mais. Ouais, je pense que dans peut-être 5 épisodes, on sera déjà arrivé peut-être à un bon truc. Allez, 15 000. On part sur les 15 000. 14. Bon, on est à 916, ça va. J'étais presque en 15 000, hein. C'est un peu le moment de déception, mais bon. C'est pas grave. Allez, j'ai shooté le pilote. Non, je vais même pas shooter, je suis trop fort. Allez, on rentre chez nous. On va. Je sais pas où l'ouvrier. Où il en est. Ouais, peut-être qu'on va un petit peu finir. S'il nous reste 2-3 lignes, pour ensuite ramener le tracteur à la ferme. Et puis voilà. Je sais pas à quelle heure j'ai commencé. Ça doit faire peut-être un quart d'heure. Je sais pas, franchement. Franchement, ce jeu ici est vraiment beau, hein, au niveau sécurité et tout. Peut-être qu'on pourrait s'acheter un petit Karcher. Ce serait notre achat du jour. Oula, je l'ai fait un slalom. Hein. Bref. Il n'y a personne, il n'y a personne. Ça va, tout va bien. Allez, on monte, petit tracteur. On va aller voir où l'ouvrier en est. Et puis voilà, ce sera.
On aura déjà un peu gagné de l'argent. On n'est pas riche, mais c'est déjà mieux. On peut au moins s'acheter un deuxième cultivateur. Les tracteurs, c'est pas vraiment pour tout de suite. Parce que bah ça, ça m'étonne vraiment. Regardez, on passe de 100 chevaux pour ce cultivateur-là à 205. Franchement, c'est énorme. Et ensuite, ouais, le plus grand, il est à ouais, 300 chevaux. C'est pour 300 chevaux, moi, je vous dis, il en faut du tracteur. Hein. Celui-là, il fait ouais, quand même 560. Oui, je sais que j'ai passé d'argent, pas besoin de me le dire. 380. Ouais, faut limite celui-là, vous voyez, donc 254 000, et puis nous à 205 chevaux, bah faut celui-là. Voilà, donc bon, on n'est pas vraiment prêt. Arracheuse de pommes de terre. Ouais, bon. Ouais, c'est pas encore bon tout de suite, on va dire. Déjà, on a une moissonneuse, on va pas se plaindre pour tout non plus, mais voilà. Pour l'instant, on va rester avec ce petit matériel. Je sais pas ce qu'on va acheter. Dites-moi aussi ce que vous voulez peut-être acheter les prochaines fois, quoi. Ce qui vous ferait plus plaisir, peut-être un truc qui vous ferait plus plaisir qu'un autre. Je sais pas. On va aller ranger ça, on va voir où l'ouvrier en est. Ouais, si l'ouvrier après se finit, on va juste aussi aller cultiver le petit bout de champ. On est où? Ah, c'est après fini. Allez, on va reprendre le relais. Allez, hop. On va juste faire ça. On en a pour 3 lignes. Cultive tout. Même l'ouvrier cultive pas droit avec ce tracteur. Sinon, je casse pas normal. Il dévie tout le temps. Allez. La boulette. Toutes les touches, elles sont au même endroit. Ce qui fait que je me trompe tout le temps. Entre le V, le C, les W, le E, enfin bref, ceux qui jouent au clavier peuvent me comprendre. Je déteste ce tracteur qui dévie là, ah, ça m'énerve. Ouais, je pense qu'on devra encore faire trois trucs à partir de maintenant, je pense. On est dans la montée, en plus il galère bien, c'est super. C'est super, c'est super. Ah, j'ai quand même bien dévié. Hein. Par rapport à l'ouvrier, j'ai dévié un peu plus, mais bon, on va rien dire. Ouais, je pense qu'on va. Ouais, on va devoir faire encore 2 rangées. Même plus. C'est vrai qu'il est tellement petit que j'ai pas l'habitude, quoi. Dans ma carrière, comme j'ai un petit peu cheaté, bon voilà. J'ai une belle ferme, j'ai voilà, j'ai tout qui est bien. Mais là, ça me fait un petit choc. Bon, c'est sympa de commencer comme ça, mais c'est vrai qu'on aimerait un peu vite évoluer, on va dire. C'est un peu énervant de rester pendant. Enfin, on va pas rester pendant 5 mois avec ce matériel, bien entendu. Mais peut-être qu'on va s'acheter un Karcher, hein, parce que vu l'état de nos véhicules. Ah non, c'est bon, on va quand même pouvoir y faire en 2 rangées à ce qui reste. On a pratiquement pas fait de kilomètres avec ce tracteur, et il est sale comme s'il avait 40 ans. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais quand on l'a eu, on va dire qu'il était propre, voilà. C'est pas un tout jeune tracteur, hein, vu sa forme cubique. Je ne connais pas vraiment mon tracteur, mais il ne doit pas être tout jeune. Allez, on va finir ça et on va juste le ramener à la ferme et faire les 2-3 lignes là, que j'ai créées avec ma charrue. Et on va finir ce petit épisode. Enfin, j'ai pas mis mon chrono, mais je pense qu'il va revenir 30 minutes de nouveau. Si on veut vraiment avancer un peu sur cette carrière, c'est vrai qu'il faut bien faire du 30 minutes d'épisode, hein, sinon on va pas réussir à avancer très vite, donc voilà. Donc voilà. Arrête de dévier, t'es énervant. Voilà, reste sur ta ligne, c'est très bien. Allez. En fait, là, on pourrait super, super bien agrandir notre champ, mais avec ces tracteurs qui dévissent un peu, enfin, voilà, c'est un peu difficile de créer des champs pas à peu près droits. Allez, hop, on va lever tout ça et tac. Alors, on va passer par où? Je vais là. Là, je vais aller à gauche, c'est ça? Ouais, à gauche.
Il y a personne? Eh ben non, il n'y avait personne. Il est très propre mon tracteur. Allez hop, on va à gauche. Vous pourrez quand même admirer que je mets mes clignotants. Hein. C'est un exploit. Ou pas. Allez, on va juste cultiver. Ouais, en fait, on a beaucoup de choses à cultiver quand même. Entre le champ encore 29 qu'il faut cultiver. Le 30, ouais, on va semer le 24 et le 38, je crois que c'est. Ouais, le 38 dans le prochain épisode. On va cultiver le 29. Ouais, je pense que notre argent il va assez vite partir parce qu'avec tous les ouvriers qu'on va devoir payer. En tout cas, on va pas semer avec des ouvriers, ça, ça coûte hyper cher de semer avec des ouvriers, ça je sais. Cultiver, ça va encore, mais semer, ça coûte quand même pas mal cher. Voilà, allez, on va juste faire ça. Notre nouvelle petite partie de champ. On va voir si ça cultive ça ou pas. Allez, hop, on cultive. Ça cultive au moins, ouais, évidemment, ça cultive. Bon, il y a un petit... ouais, c'est cultivé dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Arrête de dévier, tracteur. Bon, il restera des petits bouts d'herbe, mais c'est pas grave. Hop. On va essayer de faire un champ à peu près beau. À peu près, je dis bien. Hop. Et... tac. Merde, j'ai fait trop tard. Ah non, quoique, ça va encore. C'est niche. Ouais, il sera pas si tordu en fait notre champ. Par contre, j'aimerais bien voir sur la carte s'il nous compte notre nouveau champ. Ouais, je crois... ouais, il nous le compte. Il met bien qu'il y a une petite partie de champ en plus. Voilà, l'on pourra cultiver ici. Sur ce petit bout là, ou pas. Allez, il nous reste un tout petit peu à faire là. Hop. Bon là du coup, ouais, notre champ il est quand même sacrément penché en fait, mais c'est pas grave. Mais en fait là, ouais, au bout on va quand même faire parce que de toute façon on va pas y laisser comme ça sert à rien, autant faire un champ avec ces trucs moches là. Allez, on va juste faire le petit bout et puis voilà. On va déjà préparer pour le 29. Allez, pour le plaisir, on va juste faire une rangée. Non, pas tout de suite. Voilà, là, tu peux. On va juste couper tout le blé qui reste. Ça va être le plaisir. Oui, c'est drôle. Hihihi, trolololol. What? Pourquoi tu ne te coupes pas blé? Blé, je veux que tu te coupes. Et tu te couperas. Il y en a qui... Il est féroce, le blé, hein. Moi, je vous le dis. Il veut pas passer sous mon culti, hein. Il veut rester là. Voilà, on a juste fait comme ça, on a dit qu'on a commencé le 29, et puis voilà. Juste encore faire un petit truc et ce sera bon. Allez, hop, là, on finit. On va prendre, c'était celui-là que je voulais prendre, voilà, tac. Poser la charrue, on va aller prendre notre semoir. Qui est en bas, et on va aller le remplir et le mettre au champ 24. Allez. Mais c'est pas possible, je confonds toujours ces deux touches, bref. Allez, hop. Hop. Tac. Hop. On va aller remplir. Ça va nous gaspiller de l'argent, mais bon, on est un peu obligé. On est un peu obligé de le remplir. Hein. Oula, mais quelle capacité incroyable. Je crois qu'il a 1000 litres. Non, 600 litres. Il n'a même pas 1000 litres. Mais faut que j'arrête de me tromper de ces deux touches. Allez, on va faire du tout terrain tracteur. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va être incroyable. Oui, le panneau m'a dérangé. Enfin, le truc qui s'est ouvert m'a dérangé. Voilà, c'est de sa faute. Sinon, j'aurais très bien réussi. Ou pas. Allez, tracteur. Voilà, c'est bien. Hop. On va aller le préparer pour notre champ 24. On va le mettre dans l'autre sens. Allez, pour plaisir. Là, il y a des petits trucs qui sont en plus, mais bon. On sait pas d'où ils viennent. Hein. Allez, on va le mettre comme ça, et on va mettre sur colza. Je vois pas, à cause du A6x18, si je joue MC2. Casse-toi. Voilà. Voilà, hop, colza. Et puis voilà, donc, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Bah, voilà, dites-moi ce que vous voudrez un peu comme prochaine achat, dites-moi ce que vous voudrez, et puis, bah...
Dès qu'on aura l'argent, j'achèterai. Donc dites-moi pas non plus des trucs genre le camion, ça sert à rien de me le dire. Parce que de toute façon, on n'a pas l'argent, dites-moi pas non plus des trucs trop inutiles. Peut-être qu'on pourra acheter un petit Karcher. Ouais, là, allez, vous me dites vous, moi j'ai rien acheté, vous me dites vous. Et puis voilà, donc en tout cas, j'espère que c'est vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à rejoindre mon Twitter, mon Instagram et mon Facebook qui seront dans la description. Puis je vous dis à plus. Allez, salut!